thank our Lord Jesus Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. For everything he has done for us. Il est tellement grand. He is so great. Il est merveilleux. He is awesome. Si les païens ne le reconnaissent pas, ça est la seule assemblée. Si ça ne s'est surpris. Et qu'il n'arrive pas à louer un tel Dieu. And cannot worship such God. Oh, ne le souffre de vie gratuitement. Give him the breath of life freely. Là où tu es né, où n'est pas, il vous a soutenu. What he is above and that is sustaining. Là où tu étais dans le besoin, il est venu à ton secours. And what he mean, he comes for your help. Il est merveilleux. He is awesome. Alléluia. Amen. Il est tellement glorieux. He is so glorious. Allez, nous chantons pour lui quelque chose. We're gonna sing for him something. Tellement merveilleux. Merci beaucoup, c'est vous. Thank you, nous allons
bientôt. We're going to pray soon. Et avant de prier, nous voulons présenter quelques fréquentés, si vous voulez bien. Before praying, we're going to introduce us a dating for what? Nous allons commencer l'année avec ça. We're going to start the year with that. C'est une joie quand les jeunes se marient, si vous voulez bien. It's a joy when young people get married, if you want. C'est une très bonne joie. It's a very good joy. Mais avant cela, before it, je voudrais vous présenter le jeune sémite qui s'est marié dernièrement à Franceville avec sa chère épouse. I want to introduce the young brother sémite qui s'est marié. Saw me about 4 or 5 months. Pastor, he
told me, Pastor, moi je dois prendre une sœur. I need to take a sister qui s'appelle Liz Badinga. Call Liz Badinga. Liz Badinga. So I said, Liz Badinga. Nous l'appelons ici et vous allez voir le frère après. Donc, frère, and later on, let's go to the wedding. Et nous souhaitons la bienvenue dans
moi j'appelle ça dans la porte des mariés. And we bid you welcome into the gate of the wedding. La porte de la barrière, bien sûr. The gate of the wedding, of course. Et si ça passe bien. And if everything's doing well. Nous allons les souhaiter. We're gonna wish them. Connaissez pas voilà. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Madame dit quand Joseph a pris Marie. What the Bible says when Joseph took Mary. Marie avait 15 ans. Mary had 15 years old. Et Joseph avait 45 ans. And Joseph was about 45 years. Et un vieux de 45 ans. And an old man of 45 years. A épousé une jeune fille de 15 ans. When a young lady of 15 years. C'est la parole, dites amen. It's the word, say amen. Non, les sœurs, dites amen. The sisters, say amen. Oh. Et je ne vais pas comment les sœurs disent non. Mais c'est la parole. It's the word, sister. Mes amis, ils ont refusé la parole. Friends, they refused the word. Je vais donner encore une citation. And I gave another donation. David avait 75 ans. David has 75 years old. Il a épousé une jeune fille de 14 ans. And he was a young daughter of 40 years old. Oh, mais c'est la vérité. It is the truth. Il a pris une jeune fille vierge 14 ans. Took a young virgin 40. Et même il a dit que cette fille-là vient à mes côtés pour me réchauffer. And Jesus said, come to my side to hate me. Et après la mort de David, Absalom, son fils, a dit, moi, je vais récupérer la femme. And after David, death, Absalom, his son, took. Mais vous connaissez l'histoire? You know the story. Donc, parce que tu fais dire que si un frère de 75 ans veut prendre une sœur de 14 ans, ça peut aussi. Si le frère a son argent, et le frère veut épouser la sœur est d'accord, mais il va aller en Amérique. Amen. Je n'entends pas des amen. Oh, vous ne voulez plus la parole? Don't you want the word anymore? Mais non, c'est la chose de sister, I'm serious. C'est pas bon. This is not good. Bon, ok. Si cette personne-là, c'est le président Obama. If that person is President Obama, il veut prendre votre soeur, ou bien une soeur à 14 ans. Bon, on a dit, your brother of 14 years old. Ça passe? Is it okay? Ah, t'as pris ça. Tu dis la guerre avec le state. You're joking with the state. Oh, mais la sœur va fermer les yeux. The sister gonna close her eyes. On ne va pas mariage à cause de l'argent. We do not go wedding because of the money. C'est à cause de l'amour. It's because of love. N'est-ce pas? Isn't so? Je n'avais pas dit que le pasteur vous encourage à aller marier les vieillards. They didn't hear the pastor say to go away the old man. Je pense que quelqu'un pourra me faire sortir une écriture qui l'est écrit. I think someone could say scripture it is written. Que tu ne prendras pas un mariage ta fille. I will not take away your daughter. Ou bien tu ne feras pas la nudité de ta fille. I don't want one necklace of your daughter. Et lui là n'est pas le père, mais je pense que c'est l'arrière grand-père. I think it's the old Greek song. Merci mon frère, merci ma soeur. Thank you my brother, my sister, my brother. Vous connaissez les principes. You know the principles. Sainteté oblige. Holiness, compagnie, pas de bisous, no kissing, même si tu vois le serpent, even you see the snakes, sur la poitrine de la sœur, on the sister chest, il faut laisser le serpent, leave the snakes alone. Non, vous savez, vous connaissez les holiness, we love the prélève, prélève, attrapez la main, attendez, attendez, attrapez la main, allez, une photo WhatsApp. Il est courageux, le frère. Thank you, sir. Merci. Thank you. Nous allons passer. Ah, il a même invité son frère depuis la France. He even invited his brother from France. Allez, quel est ce bel frère? Come forth, brother. It's our brother, my son, and I. Il a vécu en France. Living in France. Ingénieur en mécanique quoi? Engineer in mechanical engineering. Mécanique industrielle, ingénieur. Industrial mechanic and engineer. Vous blaguez avec le Dieu de vos cerveaux. Breaking away from saying the God. Attendez, écoutez ceci. Wait for, listen this. Il vient en France, boursier. You wanna come to France with scholarship?
Lorsque donc faire le passeport, le want to go back to do the passport. Le directeur général de Sec donc dit pas question. The director there said no way. Il dit moi je dois partir. He say I must go. Il part demain. And he's gonna be leaving tomorrow. Et lorsque donc ils ont refusé. To the homeland they refused. Il a quitté le Sec donc à la maison chez le pasteur. He leave the homeland to the pastor. Say pastor, je dois partir. I must go. Mais le Sénat refuse. But the homeland refuses. Le chef refuse de signer le document. The boss, le passeport. To sign my passport. Yeah, ce sont les petites choses. I say that's more. On va nous ordonner de signer ça. We're gonna compare it to signing. C'est la vérité. Je suis de tout. Nous sommes au salon. Je dis prions. We are to the room. Père Tout-Puissant. I say Father. Oh, no, my ma prière. Now my prayer. Vous allez c'est donc maintenant. You go to the homeland now. Dites au président de Sénat de signer le document de passeport. Say to the morning, Miss Lee. Oh, yeah, yeah. Oh my. Sure, that's it. Not entering action. And Monsieur appelle depuis la France. And calls his friends. Il dit, allô, Monsieur le Directeur Général de Sedan. Say hello, Mr. Director of the Homeland. Vous savez que les étudiants de Monet arrivent ici, c'est nous qui les recevons. You know, the government students come in and we receive them. Si vous le libérez pas cette information là demain. If you do not send it to me, je bloque les étudiants de Monet. I'm blocking all the students from Capitola. Et le président va appeler. And a full engineer, a mechanic industrial, an industrial mechanic. Donc c'est eux qui fabriquent les pièces de quoi? De Caterpillar, de tout ça. So then making the pieces of the engine. Je ne sais pas si c'est très ou quoi. Donc allez-y comprendre. Go understand exactly. Merci, félicitations. Thank you and congratulations. J'ai pas ton avis. You should get also when the time are over. The time are even. Je suis là pour toi. I'm there for you. Comme ça, la peau échappée à l'œil, il peut le manger, c'est pas facile. Make to escape the full gospel eye. Et c'est pas aussi bien. And it's not true. Yeah. De connaître toutes choses, même si c'est caché. Allez, demandez au frère d'avancer. Let's ask for the brother to come to move. Oh, pasteur, je suis un bête. C'est bête ça, là-bas. Sous c'est quoi? Quel diplôme? Sous quoi au point de la France Ville? C'est quel diplôme que j'ai là-bas? Which degree did you get in master? J'ai un DUT, donc je vais travailler. Pastor, how do you do the diploma in the world? J'ai dit, je n'ai plus besoin des petits diplômes dans mon église. I said, I don't need small diploma in my church anymore. Allez, va apprendre. Go and study again. Je suis fatigué, je vais travailler. I'm tired. Working, go get. Il est allé en Tunisie. So he went to Tunisia. Ingénieur. Engineer also. I can tell you. Génie civil. Ingénieur en France. Ça va bien? Et je vais vous présenter une sœur très bientôt, docteur en physique. And so I'm gonna introduce you as a doctor in physics. À l'université de Masoko, docteur en physique. University of Masoko, doctor en physique. Toi, je vais t'envoyer à la NASA. Say, I'm gonna send you to NASA. Dis pas ça à NASA, je dis, tu vas aller travailler à la NASA. I'm gonna go work to NASA. Je vais te prier. I'm going to pray. Et la NASA va t'appeler. And NASA is gonna call you on. Et tu vas aller travailler aux États-Unis. And you're gonna work in the United States. Il y a une fois que j'ai promis que toi, tu es avocat, je vais t'envoyer au tribunal pénal international. Brother, I promise you, I told him I'm gonna say. Il a un téléphone de papier, il est pasteur. Quand tu dis quelque chose, ça va arriver. Je dis, préparez-vous. Pastor, je t'envoie d'abord au Canada, et après le Canada, on t'envoie là-bas au tribunal pénal international.
After Canada, you're gonna go to the international city. Et c'est ce que j'attends maintenant à l'église. J'ai un docteur, déjà un médecin. I have a PhD doctor. Docteur JP, il est où? Docteur JP, where is he at? Et vous êtes où, mon docteur? You may stand, doctor. Docteur médecin. Docteur médecin. Ah. Allez, docteur. Il me reste un avocat. Living in a tourney. Maître Terre. Master Search. Après magistrat. And after general tourney. Donc l'autre sera président du tribunal. The other will be the president. L'autre avocat pour défendre le pasteur. Vous blaguez avec moi, j'appelle mon fils à l'église. The other will be the president. I'm going to call him. Ces choses-là sont utiles dans l'église. Those people are used in the church. N'ayez pas peur, mes enfants. Mes filles, allez à l'université, avocat. Go to study, become a attorney. Comme divine. As divine. Ma fille. My daughter. Mais si nous faites, nous essayons de convertir les diplômes d'ici, elle est déjà en master 1 en droit. So we try to convert her. She's good. Donc, master 2. Je vais que tu finis le code magistrature. Next year will be master 2, and after, go to the magistrature. Et ça va en deuxième année en droit. And start second year in a row. And this is the same. And so that's the way. Ah, ça vous fait pas du bien ça? As I'm doing it good. C'est bien, et j'aime ça. And I like it. Faut que vous faites honneur au pasteur. You know, honor the pastor. C'est le fils du pasteur Mosengo. That is on the pastor Mosengo. C'est sa prédit. And he says, shit. C'est le président du tribunal de Libreville. President of the Judicial Assembly. President de la Cour constitutionnelle. The President of the Constitutional Court. Je fais le rapport comme ça. Hey, tu ne passes pas. Allô. It's just one break. I give just a phone. Allez, Satan. Hey, libéré. Set him free. He says. Ça fait du bien au pasteur. He may go to the pastor. N'est-ce pas? Isn't so? Si aujourd'hui je vais renouveler le vœu du mariage avec maman. If today I want to renew the vow of wedding with mother. Et je dis, hey, madame Chinon. And I say, hey, c'est le pasteur. It's the pastor. Mariage, quel jour. Wedding such a day. Même si quelqu'un d'autre a donné l'argent, il dit, non, là. The man said, I want to give the money, je vais la blague. C'est le patrimoine, allez, mariage. And it's our honey, so. Ça fait du bien au pasteur. It may go to the pastor. N'est-ce pas? Et je veux que vous soyez là en haut. And want you to be up and high. Hein, ceux qui sont dans la police, je vous bénis déjà. Those in the police, I bless you. Je veux que vous arriviez là, général. I want you to get general. Chef d'état-major de la police. A chief of the police. Le frère de la gendarmerie, il est où? Where is your brother? Ils sont deux là. There are two of them. Mettez-vous debout, lieutenant, au secours. You may stand, lieutenant. Ah, voilà, je viens, j'ai un peu de là. Voilà. I'm having trouble here. Roar, c'est comme ça. Hello, come so, salut. Hello, rest. Je charte mon père. Are you still my father? Excusez-moi, wait. Excuse me for that. Et ça fait du bien. Il fait du bien. N'est-ce pas? And so. Okay. Je suis un père qui a beaucoup d'enfants. I am a father with several children. Et il faut que ça multiplie. And they get numerous. Et ça fait du bien. It feels good. Hein? And then so. D'accord. Je voudrais aller au Canada. I wanna go to the Canada. Aller ici, UTC, aller là-bas. Hey, Bello, tu es où? Tout le monde est sur la carte. C'est ce Bello, où est-ce? Allez, me cherche le document là-bas à l'ambassade des États-Unis pour les papiers. Allez, pasteur, attends. Allez, chérie, viens, pasteur. Ah, il rentre là, je vais payer l'argent. Non, il a déjà payé, tout est passé là-bas, tous les papiers sont sortis. Ah, oh, c'est comme ça. Et moi, je ris, je dis, oh. And I want directly also. Je veux un fils directeur de la douane. I want a son directly of the customer. Je veux un fils à l'aéroport. I want a son at the airport. Et c'est vous que j'attribue ce poste. And that's you that appointed. Tout s'arrache par la pluie. Allez, nous libérons la soeur de frère. Those are the servants. Let the sister come forth. Thank you.
Et chante au niveau de l'évangile. The singer of the full gospel. Le relève à Stephen. And the brother Stephen. Et il s'est aimé. And again, love one the other. Je ne vais pas les demi-terrains. I'm not going half ground. Quand on commence une œuvre, when you start a job, même Dieu qui a commencé l'œuvre, even God started the work, l'achève. And finish up it. Donc, quand vous avez commencé l'œuvre, so when you started the work, il faut achever. You need to go over. Ok. Donc, ils sont là. So they are here. Et vous connaissez les principes. And you know all the principles. Quand le pasteur n'a pas encore dit embrassez-vous. When the pastor haven't said a kiss, pas d'embrassage. No kissing. C'est resteur. Si tu vois les scorpions, even if you see scorpion, sur la poitrine du frère, upon the brother of the laissez les scorpions. Leave the scorpion alone. Enlevez pas. Do not remove it. Vous enlevez, il rentre sous une onction. You remove it, it's gonna enter anointing. Nous ne voulons pas ça. And we do not want it. Nous vous faisons confiance. We do trust you. Et vous devez nous honorer. And we should honor us. Et si les choses ne vont pas bien, la fréquentation n'est pas un mariage. Things are not well, engagement is not waiting. Si ça ne va pas bien, if it doesn't get away, on casse ça. We break it up. Nous ne voulons pas cette vieille habitude de casser. We do not want that whole habit breaking up. Donc c'est un honneur quand vous présentez devant les gens comme ça. It's an honor when you get introduced in front of people. Il faut montrer de quoi tu es capable. We need to show what you are better off. J'encourage les vieux qui sont en train de dormir. I encourage the old men who are sleeping. Les années passent. Years are passing by. Vous êtes obligé de vous raser tout le temps pour éviter qu'on voit les cheveux blancs. We are compared to the race, so we don't see the white. Mariez-vous? Get married. Les sœurs sont là. The sisters are here. Les belles femmes. Uniform women. Et ça fait du bien. And it feels good. Elles sont là. They are there. Et si vous avez peur, je vais vous aider. And if you have fear, I am. Parce que la peur est un démon. That's the fear of the demon. Vous voulez simplement que notre frère quitte nos églises, il vient prendre vos sœurs. Les enfants de l'église from the church come to take a sister. Il y a la voix de Dieu maintenant. One at the voice of God now. C'est parce que vous n'êtes pas courageux. Because you are not courageous. Une autre va partir bientôt. Another is gonna leave soon. Parce que vous n'êtes pas courageux. Because you are not courageous. Comment vous êtes résisté? Il vous arrache les femmes. How come you can remain and then take on women away? Comment ça? Mais je ne comprends pas. I can't understand. Au lieu de remplir votre église, vous vivez l'église. Instead of filling your tree up, get empty. Miséricorde. On fera couper de laisser, Loger les sisters, Et on est là, légaliste à les écritures. And you are legalist to the scripture. La seule bouche comme ça, c'est un pipe pailleux, pasteur. Si c'est un move, si c'est pas un pinceau, on doit l'aller face à toi. We shall deliver to Saint. Qu'est-ce que toi tu as fait? What have you done? 2015, il n'y a pas. 2016, il n'y a pas. 2017, il n'y a pas. And to 2017, no way. Vous allez mourir sans femme, sans enfant. You're gonna die without women, without children. Et vous avez l'argent. And you have the money. Je chasse l'esprit de femme de lui au nom de Jésus. I cast the spirit of the man in Jesus' name. Je pense que c'est une possession. I think it's a possession. Vous avez la maison. You have the house. Vous avez un petit travail. You have a small work. Oh, encore. Mais vous ne voulez pas de femme. I don't want women. Il y a un problème. There is a trouble something now. Ah oui, c'est une chose, il faut être clair. Certain thing must be clear. Si vous êtes impuissant, voyez le pasteur Moussa où il y a mal que 16 en action. Il n'y a pas de ce pasteur Moussa. Il y a mal que 16 en action. Un frère, a brother, a eu des problèmes de rire avec sa femme. Had some trouble with his wife.
La sœur a dit, si ça ne va pas, moi je pars. The sister says she's wrong, I'm gonna leave. Et le frère là-bas, il so the brother on his shame. Pasteur, ça ne va pas. Pastor's not working. Je dis à genoux-toi. I said, kneel down. Père. I said, Father. Moi, ton serviteur. Your servant. Je te prie que tu me répares la machine. I pray that you fix up the item. Lord Jesus Christ. In Jesus Christ's name. Le frère est parti. The brother left. Après deux jours. After 2 days. Passez-vous, c'est vous. Passez-vous, c'est vous. C'est fort. C'est fort. C'est parfait. It's perfect. Dieu guérit toutes choses. Today is being 3 years, no problem. Je ne sais pas s'il faut organiser une réunion spéciale des célibataires. I don't know if you can organize a meeting for the single. John Shines. John Shines. Rodrigue, regarde. Rosa Rodrigue, look here. Qui encore? Redescend peut-être, je vais voir. Who has? Let's have a word, I'm going to see. Just shit. Have a hard time, bro. Comment ça? Come. Il m'a impressionné, il avait une belle facture quand il a pris le bouton de modèle quand il descend. C'est ça, c'est ça. Et ça va tout se down and help. Tu dois pouvoir, tu dois aller dans la maison de docteur. Let's go to the gift house. Tu vois les autres sont des seuls cachés là-bas. So the older are hiding themselves over there. Les amis, ne prenez pas ça comme des amusements. Friends, don't take this as amusement. Un homme dit un homme normal. What about I'm saying, normal man doit avoir un travail. Shall have a work. Une maison. A house. Une femme. A woman. Les enfants. And children. C'est tout dans l'âge dans lequel nous vivons là. Especially in the age we live in. Frère, vous n'avez pas une option qui passe le temps. Brother, I don't have an option up to one of Paul. Paul, lui, il était spécial, c'est un prophète. Paul was special, he was a prophet. Mais vous n'êtes pas prophète. But you, are you a prophet? Il faut vous marier, frère. You should get married, brother. Ne faites pas des blagues, je vous parle la vérité. Do not play games, I'm telling the truth. Je ne vais pas apprendre que vous tombez. I don't want to hurt that you fall. Vous devez, je dis bien, vous une obligation. You say, I say you shall. Vous devez vous marier en l'an 2018, frère. Get married in year 2018, brother. N'est-ce pas, frère Bertrand, que je vois là-bas avec Bertrand? Isn't brother Bertrand there? Ah, ingénieur, oh, frère. Zoé Forest. Ingénieur, oh, Forest. Mariage. Wedding. Bien, je vous impose, les sœurs. So I'm going to come back to sister. Ça ne se fait pas. It's not that. Je voulais juste m'amuser. I was just joking. Mais vous devez faire quelque chose. But you should do something. Quand vous voyez un frère en train de partir comme ça, ça doit vous faire des remords. And when you see a brother leaving, yes, David, vous devez poser la question, qu'est-ce qui ne va pas pour vous? You should question, what's wrong? Merci beaucoup. Thank you very much. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Allez. Attendez. Wait for. Attends mes frères. Wait for a brother. Serrez-vous la main, une photo au WhatsApp. Shake your hands and I take a picture. Vous êtes là, vous êtes là. Go far, let go. Les frères qui sont en Europe, aux États-Unis, vont vous voir. Roger, Nathia, what can I say? Merci, que le Seigneur vous bénisse. We cannot enter into the prayer without thanking the couple.
pour tout ce qu'il a fait pour que le prix de l'évangile s'asseye aujourd'hui sur les chaises blanches. For everything he has done for the full gospel can sit till today to the church. Avec 25 chaises VIP. With 25 VIP chairs. Dans une famille. Il a donné au moins 300 de frères. 351 chaises. 351 chairs. Comme dans à l'église du Père Franche. As a gift for the church of the full gospel. Il n'a pas voulu que je parle d'eux. He did not want to speak about them. Mais nous n'oublions pas de prier pour vous. Pour eux. We do not forget to pray for them. Pour que tout ce que vous avez donné, for everything you have given, vous soit remboursé. Be returned to you par le Dieu Tout-Puissant. Through the mighty God. C'est ça soutenir l'œuvre de Dieu, frère. It's not sustaining the work of God, brother. Et ça fait du bien au pasteur, ça fait du bien à Dieu. And very good to the pastor, also to God. Alors, si vous êtes sous l'onction, vous cassez une chaise, vous en ramenez deux. Donc, if you're under the anointing, you pick up a chair, you bring one two. Vous cassez une chaise sous l'onction, vous ramenez deux chaises. You break one under the anointing, you bring back two. Amen. Amen. Alors, si vous êtes sous l'onction, mettez-vous debout, dansez debout. So we are under the anointing, stand up and dance. Je pense que ça va nous aider. Vraiment, c'était un souci dans mon cœur quand j'étais à Franceville. Truly, it was a problem in my heart when I was in Franceville. Je ne me suis même pas exprimé. J'ai dit seulement, Seigneur, je veux vraiment qu'on change de médecin. Parce que je vois les saints qui souffrent avec le dos tout le temps là-bas quand ils sont assis sur les barreaux. I don't even express, I say, Lord, I want to change all the chair for the church. Et voilà aujourd'hui. And today here, Dieu a touché le cœur de cette famille. God touched the heart of that family. Ils nous ont donné beaucoup de chaises. And provides them with chairs. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ puisse les bénir. Truly, may the Lord Jesus Christ may bless them. Et pendant que nous allons prier là, and while we're going to pray there, vous penserez à eux. Do you not think about them? Pour que Dieu puisse les rembourser. So God can give them back. Amen. Amen. Ok, nous allons appeler les diacres. We're going to call the deacon. Je l'ai trouvé que deux personnes qui se sont présentées avant jusqu'à samedi soir pour exercer l'office. Only two persons presented themselves on Saturday evening to observe. J'avais déjà dit, mais deux personnes se sont manifestées. I see only two persons manifest themselves. Il s'agit bel et bien du frère qui a exercé une fois ici, le frère Badinga Mich. Richard, we're talking about Brother Richard Madiga, qui a souhaité au moins travailler encore pour le Seigneur. Who wishes to work for the Lord one more time. Donc, je ne trouve pas, n'est-ce pas, ambiguïté pour qu'il travaille. I don't think something wrong when we work for the Lord. Et les gens voulaient à tout prix que le pasteur puisse, il doit réguler un peu la situation qui s'est passée avec le diable de l'autre côté là-bas, les amis là. People wanted the pastor to set off what's happened with the deacon the year past. Ne me donnez pas des équations que je ne peux pas résoudre en 2018. Don't give me a question that I know can't solve in 2018. Je n'avais accusé personne. I haven't accused no one. Mais c'est un fait qui était réel. But what a real fact. Et quand vous mélangez une orange pourrie avec les oranges non pourries, tout ça. And you join the rotten with the non-rotten fruit. Et je n'avais pas. N'est-ce pas indexé une personne? And I didn't point out especially one person. Et je ne vais pas revenir. And I don't want to come back over. Alors, tu sais, quelqu'un sent mieux. De travailler pour le Seigneur, c'est bien. And someone feel good to work for the Lord is good. Et en travaillant comme diacre pour le Seigneur. And as working as a deacon for the Lord. Vous aurez vraiment une vie de consécration. You're going to have a life of dedication. Et vous serez prêt, vraiment trop prêt pour le Seigneur. And you will be close, too close from the Lord. Et le frère Rodrigue. And the brother. Il m'avait dit. Il m'a dit que pasteur, vraiment, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour le Seigneur? J'ai dit non, c'est pas bien. Tell me, pastor, want to do something for the Lord? You're good. Tu es bon pour le travail. You are good for the job. Voilà, parce qu'il m'a sécurisé à un contrat. Because he sécurise me, you know, contrat. Il se positionne la main, regarde-moi, j'ai dit ça, c'est. Position itself. Et l'agent de la sécurité en français. That is security agent. Et tous ceux qui sont mariés, les frères, ne doutez pas de le faire. And all who are waiting, brother. Vraiment, ça va nous aider. Truly going to help us out. Et d'ici la semaine prochaine. And from next week. On pourrait ajouter deux diacres. We can have two deacons. Si les gens se manifestent. If people don't manifest themselves. Nous avons le frère Chabadinga et le frère Emmanuel, le directeur de l'école de l'Église.
So we have Brother Maria and Brother Emmanuel. Avec les anciens diacres qui ont souhaité continuer. With the older deacon wishes to carry on. Que tous reviennent ici. That's let all come forth. Avec les deux nouveaux que nous venons de vous présenter. With the two new that you just introduced. Les officiers, all the officials, avec les deux que nous avons présentés, with the two we just introduced, voilà, je suis fair play, voilà. Truly, fair play, c'est pour toute personne qui est en train de bosser. For each person willing to work for the Lord, parce que l'équipe est formidable, because the team just in need. Les frères sont là. The brothers are there. Vous les connaissez très bien. You know everywhere. Ok. Nous allons baisser la main. We're gonna raise our parlez-nous dans la salle. We want us into the room. Tout le monde ferme les yeux. Everybody close your eyes. Y compris les diacres. S'il vous plaît. In the deacon, please. S'il vous plaît. Please. Tous les officiers, fermez les yeux. All the officers, close your eyes. Je demande aussi à tout le monde à la Sainte-Église. Je suis sûr que le pasteur, frère, est la caméra. I'm asking God to see you. Et si l'un de votre mari se comporte mal, and if one of respect here frappe à la maison, beating you home, the shaft to shoot, casting or killing you, ne le parlez pas. Do not spare him. Venez au pasteur. Come and tell to the pastor. Et nous allons l'enlever. So we're gonna check it. Le même que nous l'avons élu ici, on va aussi le déstabiliser en montrant ce qu'il a fait. The same guy being elected, we're gonna cast him and see what he's done. Si il dort pas la maison de frère, if he doesn't sleep home, brothers, il ne revient que dans les heures tardives, come in late hours. Nous savons bien que les policiers qui sont ici derrière le frère. We're gonna put the policemen here behind the brother. Là, on va former ce qu'on appelle anti-terroriste. We're gonna form an anti-terrorist. Ça va très bien l'organiser pour connaître le nom qui va. So we're gonna see the way they're going. Et c'est votre droit. And it's your right. Protéger votre mari. Protect your husband. En livrant ses mauvais comportements. By deliver his bad habits. Et vous aussi les femmes des officiers. And you also official wives. Vous devez être capable de garder les secrets. You should be able to keep secrets. Ça veut dire que les maris n'ont pas le droit de se former ce qui se passe dans l'office de diacre et dans l'administration. Mais si your husband doesn't have the right to tell what's happening into the deacon, I'll be prepared. Vous devez faire le nécessaire pour ne pas parler de quoi que ce soit. If you want God to love you, amen.
serving God. Que la paix de nous accompagne. The peace of the Lord of God. Shalom à tous. Shalom to all of you. Amen. Amen. Je consacre moi-même. Can I raise my hands? So really, le Seigneur bénisse. The Lord bless you. C'est comme la belle trompe. It's like the trumpet. D'entrage. And welcome back in the trumpet. The Lord bless you. Je bénisse. God bless you. Le grand père de tous. The Lord bless you. May God bless you. Je bénisse. God bless you. Je bénisse. God bless you. Je bénisse. God bless you. Le Seigneur bénisse. God bless you. Je bénisse. God bless you. Je bénisse. God bless you. Je bénisse l'excellent trésorier. God bless you, excellent trésorier. Je bénisse l'excellent administrateur. God bless you, excellent trésorier. Je bénisse l'excellent administrateur. God bless you, excellent. C'est grâce à eux que nous avons cette maison. It's thanks to us we have this home. Je bénisse. God keep bénisse. Excellent coach. Que le Seigneur bénisse, excellent interprète. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur bénisse, excellent prédicateur, excellent interprète. Merci. Alors la prochaine prédication c'est celle de Frère Brice. Donc je vais commencer à lancer tout le monde. Frère Brice, il faut déjà te préparer là. Prochaine c'est toi. Next one will be you. Amen. Amen. Merci beaucoup. Thank you very much. Nous allons prier le Seigneur. We're going to pray the Lord. Dieu tout-puissant. God Almighty. Je prie pour tes enfants. I pray for your children. Pour la grâce de Jésus-Christ. For the grace of Jesus Christ. Avec la sagesse, avec la nouvelle année, que tu sois avec eux, que tu sois avec eux, dans le monde de tes Seigneurs. Donnez la sagesse, donnez tout ce qui est dangereux, dans le devant de lui, que le Seigneur Jésus, qu'elle soit remplie de l'amour, remplie de la patience, remplie de la tempérance. Gestion des diacres. And having changed the rule of the deacon, j'aurais préféré qu'il continue comme ça comme l'année passée. I wanted to carry on like next year. Les diacres avaient choisi, ils ont préféré mieux que le frère allait continuer. The deacon chosen for the brother. Et je ne fais pas un problème. And I don't have a trouble with that. Et je vous dis la vérité. And I'm telling you the truth. L'année passée a été une année excellente. That year has been an excellent year. Parce que j'ai eu presque chaque rapport de chaque événement qui a eu lieu. Because I had a report of each event happening here. Et je crois que ça peut aller mieux. And I believe it can go better. Et merci beaucoup. And thank you very much. Pour chacun de vous. For each of you. Qui a travaillé pour l'avancement de l'église. Who are for the coming forth for the church. Et soit vraiment leur soutien. And be Lord their sustain. Et leur. Love them. Et Dieu vous bénira. And God will bless you. Que le Seigneur les bénisse. And the Lord bless them. Et que la paix de Dieu soit avec eux. And the peace of the Lord be with them. Shalom. Shalom. Je pose une question à l'église si vous êtes d'accord. I'm questioning the church if you are. Je veux dire que cette année, nous ouvrons une église vers l'aéroport. I want to have a church on the airport this year. Qu'on puisse ouvrir une église pour l'évangile vers l'aéroport. And to have a church of the full gospel toward the airport. Si l'église est d'accord. If the church is agreeing. Y a-t-il des frères qui habitent vers l'aéroport qui sont ici? Do we have the brother living in the airport here? Levez la main tous ceux qui habitent vers l'aéroport. Mettez-vous debout s'il vous plaît. You may stand please. Mettez-vous debout, tous ceux qui habitent vers Abuja, vers l'aéroport là-bas. Oh, living toward Abuja, toward the airport. Allez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 là-bas derrière. Achetez là-bas. 19, 20, 21,
22, 23, 24. Mais on a déjà une église. So we have a church. Il y a encore quelqu'un là-bas? Combien de personnes? 3 personnes. 28. Alors, je pense que c'est déjà une église. I think it's already a church. Ok? On peut faire quelque chose? Can we do something about it? Est-ce que tu es d'accord qu'on puisse ouvrir une église vers l'aéroport? Are you in peace or being up on the church there? Vous ne voulez pas? Bon, les frères ne sont pas d'accord. Ils disent que nous voulons que nous soyons ensemble. On va ouvrir une série de prières. We're going to have a prayer close. C'est l'une de prières, c'est bon? A chain of prayer. Bon, qui sont d'accord, levez la main. Who are agree, raise up your hands. Qui ne sont pas d'accord? Vous ne voulez pas mettre vos frères? Bon, merci. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, je prie pour l'église Poche-Montier qui est en ligne et qui a besoin de la bénédiction. I pray for the church of Poche-Montier, Lord, and the blessing. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, in Jesus Christ's name, God of Christ, que le Saint-Esprit visite la ville de Poche-Montier ce matin. May the Holy Ghost visit the church of Poche-Montier. Je veux que cette année pour l'église de Poche-Montier, and I want the church of Poche-Montier, que cela soit pour vous une année de complète et une année de succès total. Jésus-Christ, soit avec vous. And Jesus Christ to be with you. Personne ne tombe malade. And no one falls sick. Personne ne nous précède dans la gloire. I want to send you to the glory. Dieu donne le travail à ses enfants. I give work to children. Dieu donne le mariage à ses enfants. I give the wedding to children. Dieu donne le diplôme à ses enfants. I give the degree to children. Dieu donne l'élévation à chacun d'entre eux. I give the blessing unto each. Seigneur Jésus, bénis-le. Lord Jesus, la chair de départ. And the purple to the light. Bénis les enfants, Seigneur. Bless the children. Protège les soeurs et les frères. Protect the brother and the sister. Et que la paix du Seigneur les accompagne. And may the peace of the Lord be with you. Je suis prié Dieu. I shall pray to God. Dans Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Nous attendons l'appel de Franceville. Are you waiting for the call of Franceville? C'est bon? Ok. Donc, qui ne sont pas d'accord que nous puissions avoir une église vers l'aéroport? So, who are for against having a church there? Levez la main, s'il vous plaît, je veux voir ce qui sont d'accord. Your hands fairly, we're going to see. Ok. Ceux qui sont d'accord? Those who are agreeing. Ce sont les 28 personnes. So, the 28th person. Bon, d'accord. Je verrai qu'est-ce qu'on peut faire. We'll see what we can do. On peut aussi gagner des armes là-bas. We can also win some soup there. Parce que là-bas, c'est trop grand. Nous pouvons gagner les armes. We can win over some souls. Je vais revoir le frère Pierre. I would like to see the brother Peter. L'apôtre. The apostle. S'il peut me voir. If he can come and see. Maman Léa, je vous ai présenté ma condoléance pour le départ de maman. Maman Léa, I introduce you. J'étais tellement occupé vraiment ici que on m'a même pas informé. I was so busy that he didn't get c'est en même temps que j'étais au courant. I was getting late. Je vous appellerai. I will call you et vous m'enverrez. And you see me. Amen. Amen. J'aime tout le monde. I have everybody. Vous êtes vraiment mes enfants préférés. You are truly my preferred children. Et vous n'avez pas vu mon épouse. And you haven't seen my wife. Elle est au bureau. She has in the office. Elle avait vraiment très mal à l'estomac. She has an stomach ache. Et Dieu merci, elle va un peu mieux. God thank you, she's doing good now. Et je crois que vous soutiendrez, vous la soutiendrez dans la prière. And I believe you will sustain her for the prayer. Nous allons nous mettre à debout pour remercier Dieu que nous allons nous consacrer pour la dernière prière, la première prière de l'année 2018. We're going to stand for the first prayer and thanks God for the c'est le moment, Seigneur, c'est le moment. Jésus, c'est le moment de me bénir. Jésus, c'est le moment. Prions. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Jésus, c'est la saison.
Jérusalem a été restaurée à Israël.
Tu as dit que le Seigneur, la génération qui verra cet accomplissement de cette écriture doit redresser la tête, car la rédemption est proche. Oh Dieu, je ne saurais quoi te demander ce matin, si ce n'est simplement de nous amener à prendre conscience, à voir l'heure à laquelle nous vivons, oh Dieu, et là où nous allons. Tu vois combien de fois ce n'est pas facile. Plus nous nous approchons de l'objectif, plus les épreuves deviennent plus difficiles. La foi a tendance à pouvoir tomber. C'est comme si nous piétinons. Mais Seigneur, je prie que tu puisses exaucer le plus petit de cette église, afin qu'il devienne fort. Que celui qui ne peut pas dise que je peux. Oh Dieu, ceux qui ont perdu espoir puissent savoir qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Seigneur Jésus, nous ne savons pas un Dieu mort. Tu t'es toujours manifesté dans le ministère de cet homme. Nous t'avons vu à l'œuvre, mais toutefois nous te contemplons à distance. Puisses-tu rapprocher de chacun de nous, afin que tu sois notre ami, afin que tu sois notre consolateur, afin que tu sois notre confident, afin que tu sois notre meilleur berger, afin que tu sois notre véritable conducteur. Oh Dieu, nous avons plus besoin de toi aujourd'hui que hier. Parce que Seigneur, la mondialité qui est rentrée au milieu de nous, au lieu de nous rapprocher de la parole, tous les jours nous éloigne. C'est pourquoi je prie que tu ne laisses pas la vision de cet homme tomber, que tu le soutiennes et qu'il nous inculque la parole de l'Éternel, afin qu'elle puisse faire effet en nous et que nous puissions être le reflet de cette parole tout entière. Prends soin de mon frère, prends soin de ma soeur. Alors que nous débutons encore cette année, Jésus, qu'il n'y ait pas du laxisme au milieu de nous, qu'il n'y ait pas de la négligence pour ton œuvre, qu'il n'y ait rien de semblable, qu'il n'y ait pas de la mondanité, que toutes ces choses soient expulsées au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit puisse prendre le cœur, oh Dieu, en partage et en otage, afin que notre volonté ne soit plus faite, que seule ta volonté à nous soit faite. Oh Dieu, je te prie, ne laisse pas cet homme, ses pieds chanceler, affermis-le, que ces hommes qu'il a élevés, qu'ils soient ses collaborateurs, soient des hommes de mission, qui soutiennent la parole, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie parmi nous, mais qu'il y ait le Saint-Esprit répondissant dans chaque table, de chaque cœur. Prends soin des hommes et des femmes qui le soutiennent. Seigneur, remplace tout ce qu'ils perdent chaque année. Et Seigneur Jésus-Christ, je ne serai pas mes propos. En ne manquant pas de t'implorer comme je l'ai toujours fait. Prends soin de ton épouse qui s'est accrochée à ce ministère. Et bénis chacun qui croit à ce ministère. Et je prie qu'il n'y ait pas d'orgueil parmi nous, car tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux hommes. Malgré la manière dont tu utilises cet homme, je prie qu'il y ait de l'humilité dans cette église, afin que tu continues à nous utiliser. Beaucoup ici t'ont élevé leur requête. Ils t'ont demandé des choses que nous, nul ne peut leur donner. Aucun homme ne peut leur donner. Mais toi seul peux leur donner. Et je prie, Seigneur, tu as dit, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Exauce leur prière. S'il te plaît, Seigneur, tu as dit, lorsque le berger est frappé, le troupeau se disperse. Préserve cet homme, parce que l'homme ne fait que grandir. Oh Dieu, lorsqu'elle grandit, les problèmes aussi grandissent. Les esprits grandissent, les démons s'infiltrent. Et je prie que si tu n'as jamais pris soin de lui, que tu puisses prendre soin de lui maintenant. Tous les jours, il est éprouvé. Il a des attaques de tout genre. Et je prie que tu le soutiennes. Prends soin de mon frère qui est venu si faible cette nuit. Je crois qu'il ne va plus repartir faible ce matin. Je crois qu'il va repartir avec une bonne dose du Saint-Esprit en lui. Qui le conduira le reste de cette année jusqu'à ce que nous puissions toucher 2019. Quand est-ce qu'Israël élèvera ce mur? Cet temple de Salomon qui avait été détruit. Nous ne savons pas. Mais nous savons que d'ici peu, ça va s'élever. Et cette génération ne doit pas passer. Tu avais dit que parmi nous, certains ne verront pas la mort. J'ai le croix éternel. Et je sais que je veux partir de ceux-là qui partiront vivants de cette terre. Et laisse que cette œuvre puisse porter du fruit. Un jour, nous nous retrouverons autour de toi dans le ciel. Contemplons ce saint visage que nous
nous avons toujours convoité alors que nous sommes sur la terre. Combien nous regardons ces traits qui sont sur ce visage, ce Dieu que nous avons servi sans avoir vu. Oh Dieu, ce ne sera plus la foi, ça sera une réalité. Nous pourrons contempler des jours, les caresser. Oh Dieu, de partager ces souffrances que nous avons sur la terre. Mais cela, ça ne sera plus que du passé. Maintenant, refermez les chambres chancelantes. Soutiens ceux qui dansent encore sur ce chemin. Ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles, afin qu'ils puissent voir le jour. Ils voient le ministère que tu leur as envoyé et qu'ils voient là où ils veulent conduire. Prends soin de nous, alors que je te consacre, pas ce bâtiment, mais les individus. Taille chacun selon ta mesure. Manifeste les dons qui sont endormis. Réveille ceux qui dorment. Oh Dieu, c'est mon souhait de cette année. Comme il a dit, partout où nos pieds fileront, ce lieu-là, tu nous le donnes. Tu as dit, si nous qui sommes méchants, nous connaissons donner les bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, toi Dieu, qui peut te demander le Saint-Esprit que quand tu lui donnes des mots, ça ne peut pas exister. Laisse-nous soupirer les choses célestes et que tout ce qui peut être charmé en nous. Oh Jésus, notre Sauveur, nous avons plus besoin de toi ce matin, alors que je te consacre l'église. Ramène chacun chez eux. Ils ont veillé toute la nuit, n'ont pas dormi, parce qu'ils attendaient la bénédiction de ce matin. Et tu nous as exaucés à nous donner une chose de chapitre 1, qui sera notre consolation, qui sera notre guide, qui sera notre repère, qui sera notre vision. Sois élevé, adoré, acclamé, béni. C'est le vrai chemin. Alors que nous t'avons prié, Père, que tu ne sois cessé ce matin, dans le nom parfait de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen et amen. Thank you.
Qui
qui parle dans son esprit. Qui est dans son? Qui es-tu? Tu es? Qui es-tu? Ici? Qui es-tu? Qui es-tu dans ce corps? Étouffement? Demande étouffement? Il n'a pas choisi. Quel est ton travail dans ce corps? Ici? Quel est ton travail dans ce corps? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Par le nom de Jésus! Qui t'a envoyé dans ce corps? Qui t'a envoyé? Je suis rentrée parce que c'était. Calme-toi! Et je chasse tout esprit de sacrifice, de sorcellerie et d'enfantement. Que l'ennemi libère ce corps au nom de Jésus et de ses enfants. Que ces enfants soient protégés par toi, le Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'ils vont devenir grands. Je veux que l'onction spéciale puisse les protéger.
Et que Seigneur, s'il y a un lendemain, qu'ils soient tes serviteurs. Ils sont à toi, notre Seigneur Jésus. Honore la prière de ton serviteur et que ses enfants soient en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, je vous le consacre. Bénis leurs parents, Seigneur, et accorde-les la paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen.